Si vous aimez la tranquillité en dehors du tumulte de la capitale, venez flâner au cimetière de Montmartre dans le 18e arrondissement. Ou simplement lire un bon bouquin, assis sur l'un de ces nombreux bancs à votre disposition. Les locataires de ces lieux, de 11 hectares et de 20 000 concessions, sont très très discrets malgré leur grand nombre, aucun tapage nocturne, aucun conflit de voisinage. Inauguré en 1825 à l'emplacement d'une carrière de chips, ce cimetière compte de nombreuses personnalités, telles que Alexandre Dumas, fils, Georges Feydeau, Sacha Guitry, Louis Jouvet, Émile Zola, et plus près de nous, Michel Berger et France Gall, ainsi que la tombe la plus fleurie, Dalida. Traverser un étroit passage, monter quelques marches, une esplanade, un jardin de curé, un banc, une table, quelques chaises, et vous venez de découvrir l'un des endroits les mieux cachés du 17e arrondissement de Paris, l'église russe orthodoxe Saint-Serge de Radonège. Mais pas que une église, un institut de théologie modèle de la pensée orthodoxe. Thank you.
La place Trévise dans le 9e arrondissement de Paris ne serait-elle pas un havre de paix? Datant de 1840, les trois nymphes se tenant par la main semblent préserver cette place des bruits de la capitale. Sur l'île des Ravageurs, un étrange cimetière voit le jour en 1899. Le cimetière des chiens. Mais pas que. Des chats, des lapins, des souris, des hamsters. Massereau, le cheval, mort en 1980, laissant son propriétaire inconsolable. Troy Town, cheval de course. Barry, ce chien sauveteur qui vécut au 19e siècle. Sauva 40 personnes et fut tué par la 41e. Légende ou réalité? Le chien moustache, héros et mascotte de la Grande Guerre. Et cet anonyme, ce chien errant qui, dans la nuit du 15 mai 1958, vint mourir aux portes du cimetière. Un monument lui fut érigé, c'était le 40 000e animal à être enterré dans la nécropole. Ce lien indéfectible qui unit l'animal et son maître et l'amour que l'on lui porte justifie grandement qu'il repose en paix, permettant à tout un chacun le recueillement nécessaire après la perte d'un être cher. Ça fait comme pour nous les êtres humains, enfin moi je le considérais comme un membre à part égal de la famille. D'abord ça a été suspect de partir sur sa tête. Demain il va falloir quand même je trouve un cachet comme vous dites. Voilà. Thank you.
Le street art, ou l'art de rue, c'est un mouvement artistique contemporain. Nous le retrouvons sur nos murs, nos boutiques, exprimant pour certains une revendication, une pensée politique, une propagande ou tout simplement une beauté. Une beauté d'un paysage, d'un visage ou encore un cartoon. Cet art est né aux États-Unis dans les années 60. Mais si l'on songe aux peintures rupestres qui nous viennent de nos hommes des cavernes, cette forme d'art semble être l'une des plus anciennes, suivant le guide.